Je vais essayer de faire des illustrations concrètes, 2 minutes par dossier, si on veut vous faire un. Quand on est saisi, l'association Sherpa et d'autres, mais c'est la particularité de Sherpa, c'est pour diagnostiquer une situation et établir la faisabilité d'un recours juridique ou pas, au nom des victimes qui nous saisissent. Il y a 2 pistes qui peuvent être envisagées en matière judiciaire avant d'évoquer des illustrations. C'est la piste de la responsabilité civile, tort law en anglais, et c'est la piste de la responsabilité pénale. En France, la responsabilité pénale des personnes morales a été reconnue en 1994, donc c'est assez récent, et à l'époque c'était seulement pour un nombre limité d'infractions. Ça a été étendu à toutes les infractions apparaissant dans le code pénal en 2004. Ça constitue notre terreau à nous, c'est notre matière première. La distinction à faire entre les 2 types de procédures est assez fondamentale. En matière de responsabilité civile, les plaignants doivent apporter le maximum de preuves pour établir le lien de causalité entre le préjudice et la mauvaise pratique identifiée. Donc il y a une lourde charge de la preuve qui pèse sur les plaignants et les gens qui les assistent. En matière pénale, le grand intérêt, en tout cas dans notre système français, judiciaire, c'est que l'on peut profiter des pouvoirs d'investigation du ministère public. Encore faut-il qu'il accepte un recours et qu'il ouvre des investigations. Et c'est là tout le sujet. Donc quelques illustrations. On n'a rien gagné jusqu'à maintenant. Je suis désolé. Et on arrête. Autant l'admettre. On est très bien sûr. On a gagné récemment dans un dossier un peu en décalage, mais qui vise indirectement les entreprises, c'est le dossier dit des biens mal acquis. La Cour de cassation nous a donné raison après 3 ans de procédure judiciaire. On a réussi à faire admettre que Transparence Internationale était une ONG recevable à agir contre des chefs d'État en exercice pour des faits de détournement de fonds publics. C'est une première judiciaire, je pense quasiment sans grande erreur possible à l'échelle internationale. C'est un précédent fondamental qui peut être utilisé dans toutes les juridictions, pouvoir se prévaloir d'une décision de Cour suprême, c'est tout à fait envisageable dans tous les États. Et donc voilà, on n'est pas mécontent de ça, mais néanmoins, tout ne fait que commencer. Parce que les juges d'instruction ont seulement commencé leur enquête depuis cette décision de novembre. Rougier, par exemple, secteur des forêts, Cameroun. Moi, je souhaiterais que les litiges aient lieu dans les juridictions où ont lieu les infractions. Ce serait quand même l'idéal de donner la parole aux citoyens victimes et leur système judiciaire qui s'exprime sur ces sujets. Dans le dossier Rougier, c'est une illustration que lorsque, et là c'est le cas, le système judiciaire est perfectible au niveau gouvernance, là, en l'occurrence, des villageois ont été victimes de pratiques d'exploitation sur leurs terres de grumes très rares et donc ont déposé des recours dans leur juridiction nationale, se sont fait envoyer dans leurs 18 mètres et sont venus nous voir pour savoir s'il était envisageable de faire quelque chose en France à l'encontre de la société mère. On a été là victime de l'obstacle qui est identifié donc grâce à ce dossier. C'est quand même le grand intérêt des échecs judiciaire, c'est de pouvoir identifier et stigmatiser les obstacles de procédure qui ne font plus sens dans ce genre de litige. Là, en l'occurrence, le procureur, quand il est saisi, a un pouvoir d'opportunité pour ouvrir ou pas une enquête. Il est libre de décider si oui ou non il l'ouvre. En l'occurrence, là, au cas précis, normalement, pour poursuivre, pour fait de complicité des dirigeants ou une personne morale, en l'occurrence la société française, société mère, il faut que les victimes viennent équipées d'une décision judiciaire en leur faveur dans leur pays d'origine. Donc là, je vous indiquais qu'ils n'ont pas réussi à obtenir gain de cause, et pour cause, le procureur s'est arc-bouté sur cette interprétation très restrictive du texte pour dire que vous n'avez pas de décision de justice en votre faveur sur ce sujet, je ne me saisis pas du recours. Il aurait pu très bien interpréter le texte de façon plus extensive, et là, en l'occurrence, il met les citoyens en question devant un vrai cas de déni de justice. Ils ne sont pas parvenus, pour différentes raisons, à faire entendre leur voix dans leur État, dans leur système judiciaire. Et l'État français, via une position très restrictive, ne souhaite pas non plus ouvrir plus avant les investigations. On
On est allé jusqu'à épuiser les voies de recours jusqu'en cours de cassation. Nous avons perdu. Il y a eu confirmation donc, d'une interprétation très restrictive avec un pouvoir d'opportunité du parquet qui a été validé. Et on est allé jusque devant la Cour européenne de justice qui elle aussi a invalidé en considérant que, entre guillemets en filigrane, hein, et ce sont des propos en off tenus par les magistrats, on a quand même beaucoup d'autres dossiers à gérer et c'est vrai que la situation de Cécilia Camerounais n'est pas notre priorité. Verbatim retenu dans ces procédures. D'autres stratégies peuvent être utilisées. On peut brandir la menace du recours judiciaire. 5 minutes, largement le temps. Par exemple, parce que finalement les entreprises, moi j'y ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu des grandes entreprises. Je travaillais pour PricewaterhouseCoopers, je pense que pas mal de gens connaissent. Pendant 7 ans, j'ai donc été vraiment dans le cœur nucléaire de ces pratiques. Pas toutes non vertueuses hein, d'ailleurs, mais je connais pas mal de l'intérieur les choses. Et là, en l'occurrence, dans le dossier Areva, on brandit la menace par voie de presse d'un recours judiciaire. Avant de faire ça, les entreprises rient. Si on est juste dans la dénonciation et qu'on met même au pilori de façon très argumentée des mauvaises pratiques, s'il n'y a pas l'ombre et le spectre du juge qui apparaît derrière, les départements juridiques, ça leur passe au-dessus, ça ne les intéresse pas, et franchement, ça les ébranle pas du tout. Là, dans le cadre d'Areva, une conférence de presse avec la CRIRAD, Médecins du Monde et Sherpa, après 5 ans d'enquête sur les conditions de travail des mineurs dans les mines d'uranium au Niger et au Gabon, nous permettait de dire, à la fin du dossier de presse, avec 2 pages d'argumentation, nous sommes en mesure, aujourd'hui, de déposer plainte contre Areva, société mère, pour négligence fautive, s'agissant des conditions de travail de leurs salariés et des filiales. Et là, Albert-Jean nous a contactés et a mis dans nos pattes 3 négociateurs, et on a pris le risque de s'entendre avec eux, ça a pris 2 ans, et ça a généré un accord tout à fait unique en son genre dans l'industrie, qui date de juin 2009, de créer des observatoires sanitaires sur tous les sites miniers, qui ont pour objectif donc d'établir des protocoles médicaux pour avoir un répertorier tous les symptômes et établir ou non les liens entre l'exposition aux radiations et les situations sanitaires de ses salariés avec Areva, qui s'engage à indemniser, quand tout ça sera arrivé, avéré, un comité scientifique indépendant créé, etc. Je vous avoue que c'est très risqué ce qu'on a pris comme engagement avec Areva. C'est long, c'est compliqué, puisque ça veut dire pour les créer, notamment précisément par exemple au Gabon, la situation du Niger étant difficile depuis en plus particulièrement la signature de l'accord. On n'a pas avancé sur le Niger, mais sur le Gabon ça a avancé, mais on a seulement eu en décembre 2010 le décret qui permet la création de ces observatoires, parce qu'il fallait passer par une voie décret. Et donc voilà, on a Marcona Osangui, que certains d'entre vous connaissent, je suppose, qui va lider cette opération au Gabon. Donc on est très content d'avoir trouvé quelqu'un vraiment digne de confiance. Et donc voilà, maintenant on va voir comment on va vivre cet accord. On ne s'interdit pas, évidemment, de le dénoncer si on constate que l'inertie perdure, parce qu'on n'est pas tout à fait satisfait, c'est quand même assez lent. Autre exemple, c'est une procédure qui est pendante aujourd'hui sur le bois. On a réussi à convaincre Greenpeace, Amis de la Terre, le WWF et une association de Libériens de poursuivre un groupe qui s'appelle DLH, qui avait exploité le bois et qui avait permis de financer Charles Taylor. Et il se trouve que le bois est passé a transité par un port français, celui de Nantes. Et donc là, on a utilisé l'outil juridique du recel. C'est-à-dire qu'on a sur le sol français, à un instant T, le produit d'une infraction, même si elle a eu lieu à l'étranger. Et donc, on a utilisé cet argument juridique. L'instruction a été ouverte il y a à peu près 6 mois. Ils ont mis 1 an à décider de son ouverture. Donc là, on est dans le temps judiciaire. Mais néanmoins, elle est pendante. C'est un précédent, là aussi. Et enfin, pour terminer, en matière de droit social, un exemple qui montre qu'on a certes fait un accord avec Areva, mais ça ne nous interdit pas de poursuivre une de ses filiales. En l'occurrence, depuis 18 ans maintenant, des salariés de la Comilog, située au Congo, qui acheminaient le manganèse extrait au Congo pour l'exporter via le Gabon, accident ferroviaire, tous les salariés qui travaillaient sur cette activité ferroviaire ont été licenciés du jour au lendemain, sans aucune indemnité.
Et 17 ans après, ils nous ont trouvés pour nous demander, après avoir épuisé toutes les voies de recours dans leur pays, qu'est-ce qu'il est envisageable de faire. Et donc on a mis sur le coup un de nos super avocats en droit social, Éric Moutet, qui a pris ce dossier en considérant qu'il était possible de poursuivre la société mère en France. Et donc on a en ce moment même un litige en cours depuis 2 ans au Conseil des prud'hommes de Paris, qui pour la première fois de son existence a été saisi d'un dossier qui concerne plus de 870 salariés congolais, puisque le temps aidant, malheureusement, on en a perdu quelques-uns et quelques-unes en route. Ça fait quand même plus de 18 ans que ça dure. Et donc le Conseil des prud'hommes de Paris est saisi de ce dossier. Je vous avoue que ça a ébranlé beaucoup l'entreprise qui a tout fait pour éviter ce litige. On ne peut évidemment pas présager de ce qui va survenir. Néanmoins, juridiquement, les conseillers prud'homaux ont admis qu'il y avait un vrai dossier, qu'ils étaient compétents. Et donc là, on a un cas très empirique de la complexité de ce genre de dossier, puisque les conseillers prud'homaux vont juger, en utilisant le droit congolais, le droit social congolais, de la responsabilité de la société mère française. Donc là, encore une fois, c'est expérimental, malheureusement, puisqu'on ne s'appuie sur pas grand-chose d'existant. On a des profs de droit qui nous ont aidés à tout le temps de cette façon-là que l'on procède, à étayer l'argumentation. On est assez confiant. Maintenant, l'épilogue, on ne maîtrise pas, donc c'est une affaire à suivre. Et si je peux terminer juste d'un mot, j'avais noté un truc. Le sujet dans tous ces dossiers, c'est l'intérêt à agir. Et donc les voies d'accès des associations ou des victimes, ça doit être un sujet très en amont de toutes les campagnes que les uns ou les autres nous menons. C'est-à-dire que très en amont, il faut préparer les dossiers et avoir des entités juridiques qui peuvent porter les litiges. Et on s'aperçoit depuis quelques années qu'il y a une vraie professionnalisation de la société civile, particulièrement dans les pays du Sud où on intervient. Les dossiers sont de plus en plus étayés. Quand on débarque pour vérifier si le dossier est suffisamment alimenté, on a des écrits, il y a des certificats médicaux, il y a des analyses de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai pu constater personnellement depuis que j'ai rejoint Sherpa, depuis 5-6 ans, où il y a un vrai saut qualitatif qui facilite grandement la tâche. Et c'est ça, à l'avenir, qui va nous assurer le maximum de chances de faire aboutir ce genre de dossier. Voilà, merci.